Wesh les potos! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Srokoulomike et dans cette vidéo, je vais vous présenter l'emplacement de tous les personnages de la saison 2 de Fortnite. Alors je tiens à préciser que s'il y a des nouveaux personnages qui arrivent pendant la saison 2, je les mettrai en description et en commentaire épinglé, je vous mettrai des vidéos des emplacements des nouveaux personnages qui arriveront prochainement. Si bien sûr il y en a, donc n'hésitez pas à aller voir s'il y a de nouveaux personnages dans la description et en commentaire épinglé pour avoir la position des personnages. Alors avant de vous présenter l'emplacement des personnages, je tiens à vous parler de certains personnages qui sont difficiles à trouver. Donc le numéro 2, il y a 3 emplacements possibles où vous allez pouvoir le trouver. Donc dans le gameplay, je ne vous montre qu'un seul emplacement. Donc le premier emplacement que j'avais trouvé, c'était ici. Voilà, juste ici. Non, plus ou moins par ici, voilà. Ici. Mais en fait, il a 2 autres emplacements. Il a un autre emplacement qui se trouve à côté gauche de l'état-major enfoui. Donc juste ici. Plus ou moins, et il y a un autre emplacement qui se trouve juste ici. Donc au final c'est dans des camps des 7, des avant-postes des 7. Après c'est possible qu'il est dans les autres avant-postes, mais je ne suis pas sûr. Alors il y a un autre personnage aussi qui est agent Genesi. Donc agent Genesi, celui-là, il a 2 emplacements possibles. Donc de toute façon je vous le montre dans le gameplay. Alors ensuite, le personnage, à partir du personnage 7 jusqu'au personnage 11, ils se trouvent tous à Burke Genesi. Mais le truc, c'est qu'ils n'apparaissent pas tous en même temps. Donc il y en a un qui apparaît, ensuite il y en a un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Donc il faudra lancer plusieurs parties si vous voulez compléter votre collection de personnages. Donc moi j'ai lancé beaucoup de parties pour essayer de tous les avoir. Alors par contre, le personnage numéro 9, qui est Servivore, celui-là fait une trajectoire de ici, donc de cette colline. Dans le gameplay, je vous montre que je le trouve ici. Mais après, il voyage tout ça. Il voyage là, il va un peu ici. Ensuite, il remonte la route jusqu'ici. Ensuite, il passe par ici, par ici, par ici. Il remonte, il remonte, il remonte. Et il va jusque dans le lac ici. Donc, il remonte, il remonte, il remonte. Là, il remonte par ici. Et il va jusque dans le lac par ici. Donc voilà, il fait un gros trajet de ici à là-bas en contournant par ici. Donc ça, c'était pour le personnage Servivore. Alors à partir du personnage 12 jusqu'au personnage 15, ces personnages apparaissent au camp Kuddle, mais aléatoirement. Donc c'est possible, ils apparaissent pas tous en même temps. Donc c'est la même chose que pour que Genesi, ils apparaissent un par un. Donc il y en a un qui se trouve ici, un ici, dans la maison jaune, puis dans la maison grise et dans la maison rose. Donc il m'a fallu plusieurs parties pour les avoir. Et les autres, ben voilà, je vous montre les emplacements. Donc il y a 3 boss, il y a Gunnar, Maître Chasseur Sabre et Sloan. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo. Je vous laisse avec le gameplay. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si c'est le cas, ben n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, ben moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Srokoulomike et ciao. Peace.
Donc voilà qui termine le guide complet des défis de rébellion de Fortnite chapitre 3 saison 2. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec et ciao. Peace.